Oui, c'est bon. Alors bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, c'est bon, je suis un peu trop excité parce que j'ai pris un peu trop de café. Mais putain, c'est trop bon du café. Et depuis le confinement, je suis en train de boire du café, sa mère. Je suis tout le temps à la maison. Ouais, ouais, c'est chaud, hein. Attends. Ça doit toujours me chatouiller le cerveau à chaque fois que je le prends. Bon la famille, tu sais déjà, c'est le confinement, donc une autre vidéo à la maison. Parce que voilà, pour faire une vidéo à la maison, j'ai pas envie de sortir dehors pour risquer ma vie pour vous là. Oh. Je vous aime quand même, mais voilà. Bon, avant de commencer la vidéo, tu sais déjà, là je suis en train de partir sur le challenge de faire 2 vidéos par mois. Par mois. God damn. 2 vidéos par semaine. Et pour me supporter, bien sûr, avant de commencer la vidéo, tu laisses déjà un pouce bleu. Il est bleu là, le pouce. Bah, il est bleu. Pourquoi il est bleu le pouce d'abord? Et chelou quand même. C'est vrai, je suis en train de réfléchir pourquoi le pouce est bleu. C'est chelou. Bref, on va pas trop s'attarder sur le pouce de... Vas-y, juste mets le pouce. Puis laisse un commentaire parce que tu sais déjà aujourd'hui on va parler du rap québécois. Si maman me cherche chez moi, bah dites-lui que je suis pas là. Déjà avant de commencer, là, si tu t'écoutes du rap québécois, dites-moi en commentaire c'est qui votre rappeur préféré. Comme ça je vais peut-être aller regarder. Moi personnellement, avant de commencer cette vidéo, je suis pas très aux nouvelles. Je sais même pas si ça se dit ça. Je suis pas très aux nouvelles. De ce qui se passe ici, hein. Mais t'es sérieux, toi? Parce que moi, tant que j'ai grandi hors du Québec, mon enfance, on va dire. Et j'étais vraiment très rap français et rap anglais directement. Je savais même pas que le Québec existait, tu vois. C'est vraiment en arrivant ici que j'ai compris que, comme, oh shit, le Québec existe, goddamn, c'est bad, c'est lit, c'est ouais, c'est bon. Donc, j'ai commencé à découvrir des rappeurs d'ici. Mais il y a un truc quand même qui m'énerve un peu. Et voilà, peut-être que toi aussi tu l'essaies déjà, c'est quoi? Pourquoi les rappeurs d'ici sont pas trop mis en avant? Par exemple, en France, bah, vos rappeurs vont tous passer à la radio et tout. Ici, pour que tu passes à la radio, frère, faut que tu sois soit québécois, soit québécois. Quoi? Mais attendez, avant que je me crée des ennemis, je te vois déjà là-bas en train de commencer à m'insulter là, ta tête là. Nique ta mère! On va un peu aller découvrir ensemble, vous et moi, un peu qu'est-ce que les rappeurs d'ici font et voilà quoi. Vous allez un peu comprendre un peu c'est quoi mon délire. Déjà, le premier rappeur sur lequel je vais m'attarder, c'est Lost. Alors, mesdames et mesdames, ceux qui ne connaissent pas Lost, allez voir directement. C'est l'un des premiers rappeurs que j'ai vraiment écouté ici parce que. Eh, ces paroles là, quand même, c'est touchant. Le pigeon voyageur se fera découper les ailes. Voilà, vous avez compris, c'était qui Lost. Lost fait partie du groupe 514. 514, t'as compris, c'est le numéro de téléphone des régionales ici. C'était, maintenant c'est 438. Ou bientôt ça change encore, ça devient un autre chiffre, je sais plus c'est quoi. Donc voilà, si vous êtes un groupe de rappeurs et que vous voulez faire un groupe entre vous, commencez par les 438. Vous allez directement faire la rivalité au 514. Ils vont vous niquer vos mères. Par contre, je vais pas vous mentir, ok. Moi dans les 514, l'une des personnes que j'écoute le plus, c'est White B. Parce que voilà, je sais pas, comme c'est bad, il est bad. Il est bad, peut-être c'est sa personnalité en tant que telle. À la pratique. Ils sont morts depuis longtemps dans le scénario. Et je les bête. Parce que moi, on va dire, avant d'écouter un rappeur en tant que tel, je vais regarder un peu c'est qui le mec. Tu vois, est-ce que. Voilà quoi. Et ouais, White B, je le trouve vraiment fort. Il y a Gaza, il y a MB. Il y a un autre côté, Tizo Shreeze, que je connais aussi. Oh, appelle-moi pas, je suis jamais dispo. Non. Elle voulait fun. Elle a plank. Je kiffe leur délire. Non, et ils me font grave rire. Parce qu'ils racontent tout le temps des histoires bizarres dans leurs chansons là. Genre, t'es comme. C'est fucking drôle. D'autres rappeurs que je connais ici, il y a Enima, bien sûr, qui connaît pas Enima. En ce moment, je pense même qu'il est en train de percer en France. Et ça, c'est bien ça. Ça, c'est très, très, très bien ça. Le million, ça, c'est sûr, bébé. Parce que voilà, si ils veulent pas vous mettre à la radio, les mecs, partez. Est-ce que, tu vois, à la fin de la journée, faut bien ramener les chiffres. Et ce que je trouve très bien en ce moment, c'est que j'ai vu des rappeurs en France, en Europe, qui sont en train de beaucoup supporter les rappeurs d'ici. J'ai vu Mister V qui est venu faire des trucs ici. J'ai même vu Booba. Booba. Reposter des trucs de Enima et tout. J'ai fait damn. Comme vous savez, moi je suis un grand fan de rap. Donc je vais pas vous cacher que j'écoute pas, je connais pas. Non, je connais. Soit, mais à la fin de la journée, je vais pas trop parler. Je vais vous laisser vous-même aller un peu découvrir ce qui les bail. Attendez, j'ai oublié un peu d'autres mondes. Il y a des rappeurs québécois ici que j'aime beaucoup là. Il y a Fouki. Et vous connaissez tous Guillaume, mon boy. Bah, si vous connaissez pas, bah c'est Guillaume là. Tu veux que je dise quoi? Et je me rappelle lui, à un moment donné, il écoutait tout le temps du Fouki et je connaissais pas. À chaque fois, j'ai chanté ses chansons sans savoir c'était qui. Et je suis rentré dans le délire. Le gars, il est grave fort. Je kiffe grave. On est... Moi j'ai pas honte de dire que je suis fan de quelqu'un et tout, rien à foutre. Fouki, je suis grave fan de toi. Je sais même pas s'il va le voir un jour, on s'en bat les couilles. Y'a qui d'autre encore que j'aime bien? Putain, je suis vraiment nul. Eh, si vous connaissez des rappeurs d'ici, mettez-les en commentaire, je vais sûrement aller voir. Je vais aller kiffer. Oh mon dieu, j'allais même oublier, putain, la relève. En ce moment même, c'est pas parce que c'est mon gars. Même avant, je le connaissais pas. Mais le gars que j'ai vraiment, dès le moment que j'ai entendu, je me suis dit non, lui il a un avenir dans ce rap game, c'est Boris le vrai. Ah, chacal. Eh, chacal, arrête-moi. J'arrête la vidéo là. La Diana, ouh. Tu
me rend accro. Non, lui, je suis vraiment fan. Je lui ai dit ça, je le connaissais pas. Avant qu'il soit mon boy, je le connaissais pas. Dis à son manager, Dallas, je lui ai dit, Chacal, lui là, ton gars là, je suis fan de lui, putain, il est trop fort. Donc allez écouter, voilà quoi, faites passer les affaires. Puis même moi, vous connaissez déjà le délire, hein. Je fais de la musique quand ça m'étante. Et soit tu fais du rap maintenant, je te dis, mais quel boy. Je me considère pas comme rappeur. Peut-être un jour, je vais atteindre le niveau où je pourrais faire des feats avec Fouki, White B, Enima, je sais pas qui, mais hey, ça serait tellement un gros délire. Mec, bref, vive le rap tout court. Le Québec, j'espère sincèrement que d'ici 2 ans, que les rappeurs d'ici vont bien manger, vont bien vivre de leur art. Parce que chacun, le rap, ouais, c'est un art en tant que tel. Ceux qui disent que c'est pas un art, allez niquer vos grands-mamans. Malaria, grand-maman, les papas, les tout le monde. Sinon, c'est ça la famille, je vous laisse. Et si j'ai pas nommé votre rappeur préféré au Québec, excusez-moi. Hein. Excusez-moi, je suis en train de faire cette vidéo, j'ai rien préparé. Comme ça, c'est du freestyle, sa mère. J'ai sûrement oublié de personne. Si vous aimez la vidéo, si vous commentez, si vous me dites c'est qui vos rappeurs préférés, peut-être il y aura une partie 2. Je vais aller découvrir c'est qui les rappeurs. Et voilà quoi, si t'as pas aimé. Quand je prends pas du chèque, j'arrive, je ramène les caisses. T'es pauvre, t'as que des pièces. Dans ce game, mais y'a trop. Genre, je les mets tous sont trop. Genre, tu ramènes ta meuf, elle voit ma clipa, elle est contente.